avec son pouvoir est hypnotique. Oh, magnifique combat. Ça te fait peur? Zoé, ça te fait peur? Mon nom est Sacha. Ouh. Sacha. Ce qui est fou, c'est que dès qu'elle regarde le téléphone, il lui posait deux fois la question pour qu'elle te réponde. C'est incroyable. Leur voyage leur réserve bien des surprises. Ensemble, ils verront des créatures incroyables. J'ai pas peur. D'accord, j'ai vu une autre histoire. T'as beaucoup regardé. T'as beaucoup regardé aujourd'hui. Ça suffit. Ça sert à rien de pleurer, Zoé. Moi, je veux pas que tu regardes une autre histoire. Donc, ça sert à rien de pleurer. De toute façon, tu regarderas pas. Tu regarderas une autre fois. Alors... Hop là. Loin du bal. Non, j'en quoi. On arrête de regarder la télé, là. Tu vois dans quel état tu es quand tu regardes trop la télé? Oui. Bah ouais. Bonjour. Salut. Ça va, Salomé? Oui, quoi. Ça va bien. Je peux savoir qu'est-ce que c'est, ça? Alors, on va recommencer l'entrée, justement, parce que... On fait un documentaire indépendant sur les effets de la télévision sur notre cerveau. Ouais. Et je vais te demander une cassette de Pokémon. C'est au Japon, il y a 2-3 ans, des gosses qui sont partis à l'hôpital parce qu'ils avaient vu un dessin animé de Pokémon, ça les a mis en transe. C'est quoi, on va le... Si t'es sûr, on peut regarder les scripts. Ouais. On a dit quoi, en 97? 17 décembre 97, ouais. Du 22 au 11... Ah bah voilà. Sur France, Algérie, Japon, voilà. Voilà, diffusion de bande dessinée provoque un phénomène d'épilepsie. 600 enfants hospitalisés, c'est ça? Ouais. Journal. C'est voir un peu ce que vous en pensez. Tu sais, moi, je suis hypnotisée par beaucoup de choses à la télévision. Un héros dessiné est en train de semer la panique au Japon. Plusieurs centaines de petits Japonais ont dû être hospitalisés après avoir vu une scène de flash lumineux. Pikachu, le petit rat jaune, est à première vue un héros comme les autres. À première vue seulement, puisque ce personnage est responsable de l'hospitalisation de 618 enfants, en cause une séquence de 5 secondes au cours desquelles les yeux du rat flashent violemment. Toute la journée, on est devant une machine qui t'envoie des électrons. Une machine à faire du stroboscope, quoi. Et le principe même de la télé, c'est un balayage lumineux intermittent. Je veux dire... Arrivé, hein. Ah oui, c'est un peu Times Square à New York, version Tokyo, hein. Encore plus grand. C'est génial. Regarde l'écran. C'est une pub pour quoi? PlayStation aussi. Ah ouais. C'est que PlayStation, hein. T'imagines le prix de la publicité sur l'écran, hein. Toute la journée, ça tourne.
Ouais, c'est Blade Runner, quoi. Tu viens de Blade Runner, du film. Ça ressemble, Tokyo, quand même. Ouais. D'ailleurs, faut que je trouve le DVD de Blade Runner. Voilà. ほとんどの人がやはり痙攣だったですね、全身痙攣だったですね。で、中にはあの目がチカチカするっていう、なんて言ったらいいね、視覚異常と言いますか、その時に光刺激っていうのを脳波検査中にするわけですけど、その時に異常波が誘発される方っていう風に定義していいと思いますね。で、ここからここがあれで、ここからここは枕です。オフですね。ここはオンですね。 オフで、またオンするとこのオフって、これがするどい異常波ですね。世界的なことでは4000人に1人とか1万人に1人とか言われてるんですけれども、そういう体質です。要するに番組を映す以前の Là, j'ai toujours pas d'image, hein. Mais ça, c'est la ligne. Et puis, si on essayait de me. Allô? Oui, allô? J'ai essayé. Oh, il me dit, regarde, je vois rien. Je vois rien, mon petit chat. Bon, on est avec toi, hein. Il se connecte. C'est bon. On est déjà sorti de Tokyo? Suspense. Excellent. Allô, allô. Attends. Ouh là, y a un Larsen d'enfer. Allô, tu m'entends là? Nous sommes des pionniers, messieurs. Allô? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moi aussi, je t'aime, mon chat. Là, j'ai un truc que j'aimerais bien faire.